Rémi, réveille-toi, j'ai un super truc à te faire goûter. Vas-y, moi je suis des sushis. Voilà pour le premier restaurant de sushi. Je m'en sors avec 14 assiettes. Ça représente à peu près 20 sushis. Et la facture est à 12 euros. Nous sommes maintenant dans le second restaurant de sushi. Et nous sommes exactement à la place de l'année dernière où Rémi a questionné sur tous les sushis qui étaient là. On peut reconnaître le sushi qui est encore sur le circuit que personne ne veut manger. On a le petit robinet qui est là. La technique pour pouvoir faire sortir de l'eau, c'est de venir sur le poussoir et d'appuyer. Sauf que Rémi, lui, il a mis son verre en dessous du poussoir. Et il appuie ensuite. Du coup, l'eau, elle est sortie d'ici, tout sur la table. C'est un champion. Il est bourré d'arrêt. Ah, le dernier, je te l'ai avalé, mais pour te dire, je pouvais même plus manger avec. La prochaine fois que je te propose une idée comme ça à la con, tu me dis non. On a trouvé le meilleur distributeur à boissons du monde, du Gabumon Melon Pan, notre Gabumon Melon Ice Cream, Gabumon Citron Ice Cream, et là, la douceur du jour, le jus de mangue, le meilleur du monde. J'ai failli m'écrouler par terre quand j'en ai bu. Rémi a trouvé une note douceur dans ce distributeur. Vas-y, goûte. Ça va être du jus de pamplemousse. Je parierais sur du jus de tomate au tabasco. Cette musique. Ah non, je pensais que c'était des paroles et pas de la musique comme ça quoi. C'est une belle musique d'amour, n'est-ce pas? La réputation sur les zizi japonais et asiatiques n'est plus à faire, car on peut constater que dans les toilettes pour hommes, il y a aussi des places pour les micro-pénis. Les gens passent là-dedans pour soit trouver l'amour ou soit casser la rupture de leur ancien couple. La tragédie qui s'est passée pour trouver quelqu'un d'autre. Bizarre. Surtout celui-là. La bouche avec la main. J'attends le bus avec Rémi. C'est pas Rémi.
S'enfuir parce que le gars de la sécurité est arrivé. Le segway c'était pas autorisé et nous on a trafiqué le truc. Et du coup tout le monde a commencé à jouer et on s'est barré. Les autres disent des merdes sans nous. Aujourd'hui, nous allons vivre l'expérience du chez la coupe. Première impression visuelle. C'est une superbe de poisson. Camille est parti se rincer la bouche avec un ramen. Alors que moi je voulais continuer les expériences un peu loufoques, mais le ticket est encore fermé. Du coup en attendant, le vendeur de glace est ouvert. Donc pour l'expérience, ce sera une glace à la méduse, collagée. Mais je peux pas dire si j'ai un goût de méduse. Ah, il y a un arrière bizarre quand même. Direction Séoul pour une petite escale d'une nuit. On va tester un nouveau truc qu'on n'a pas encore fait. C'est le Jim Jim Bang. Jim Jim Bang. Je vais mettre du parfum de toutes les sortes. Mais j'ai Kenzo, j'ai même du Prada femme sur moi. Oh non. Et passe-partout, on en est à combien de vols? Déposer nos chaussures. On est tombé dans quel truc? Voilà, on a enfilé nos tenues de combat. Pyjama au fait. Non mais là on est à l'étage que les hommes, donc pour tous endroits. On leur a coupé la moitié à la naissance. Et puis on demande d'aller où la chambre, il n'y a pas de chambre en fait. Voilà où tu vas dormir.
un gars qui a un problème capillaire. C'est le début et on vient déjà de gravir des milliers de marches. Qu'est-ce qui se passe, Rémi? Oh, ça pique. Quoi qu'il est prévu de faire demain, Rémi? Quel boulot. Lève-moi avant de quinoa à bout du cul. Rémi, vous êtes éliminé. La séquence est irrévocable. Ah, la séquence est irrévocable. Tu bénis. Mamie derrière moi. Ah non, oui. Je recommence. Mamie, il y a derrière moi, elle a pris une assiette de gâteau, plus remplie qu'un autre. Et moi, je suis